tour n'est qu'une illusion, René François, à ta place. Ce tour n'est qu'une illusion, le tour va réapparaître d'ici 2 ou 3 heures. Et moi, je serai parti. Oui, oui. Ah, attention, alors là maintenant, j'ai quelque chose en fait de pas mal pour vous, mais j'aimerais votre participation à tous et à toutes. Tu m'envoies la musique, s'il te plaît, ami. Allez, c'est parti. Ça pète, hein. Préparez-vous, Mimi. Lui, il a tout compris, lui. Allez, ensemble. Justement choisir tes prochaines victimes. Ah, oh, monsieur, en plus, regardez, il est musclé. Vous allez bien? Votre prénom? Fred. Enchanté, Fred. Montez sur le plateau si vous voulez bien. Allez, ensuite, un autre peut-être, une autre victime. Par contre, celui-là, on va le couper en deux. Non, je plaisante. Hein. Ouais, tu dis. On va le couper en deux. Ah, bah tiens, viens, jeune homme, viens. Allez, toi, viens. C'est comment le prénom? Viens, 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 viens. Et l'autre, il dit que c'est moi, je suis d'accord pour le plus. Hey, Kelly. Hey, j'en ai un, il est bon. Allez, allez, un peu de bobos, hein. Allez, continue, c'est parti. Ça va, les gars? Ouais. Attention. Elle percute un peu. Magique de main. Oh, c'est mon nouveau technicien, je vous raconte pas. Messieurs, bonjour, le prénom? Fred. Fred, ça n'a pas changé. Marc. Marc. Et Gabriel. Mais messieurs, est-ce que. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes marié ou fiancé peut-être? Non. Non? Une amie peut-être? Eh ben une future. Alors. voilà. Ouais. Elle vient de partir. Marié? En instance. En instance. C'est bien ça, c'est bien. Et vous, Fred? Fiancé. Fiancé. Ok. Fred, vous avez pu remarquer qu'il mange bien. Il est musclé là et là. Alors, messieurs, maintenant, j'ai une autre question pour vous. C'est la question qui fâche, parce que même la question qui tue. Est-ce que vous avez déjà attaché votre femme ou toi ta future? Non? Fred? Non, j'ai pas souvenir. Il n'y a pas de souvenir, Fred, ok? Et vous? Non, malheureusement. Non, malheureusement. Bon, déjà, lui, on sait qu'il y a pensé, hein. Ça, c'est clair. Alors, justement, maintenant, on va vous montrer, faire une petite démonstration, comment ce soir, messieurs, attacher votre femme. C'est valable pour vous aussi, vous êtes trop nombreux, je ne pourrais pas tous vous prendre ici. Ce qu'on va faire, tiens, je vais te demander de tenir l'extrémité de la corde. On va se mettre là-bas, voilà. Fred, de faire la même chose, et on va tester la solidité de la corde. Donc, c'est un petit peu un jeu de force, fais gaffe, rigoler. On tire sur la corde. Mais si tu lâches, il se barre en coulisses. Hein. Vas-y, 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 tends. Tiens, c'est bon, hein? Punaise, ouais, le requin a mangé du top 7, hein? Ok. Alors, c'est... Ah, par contre, il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'en fait, on est... Vous êtes... Ah, bah ouais, vous... ah oui, il y a 2 bouts de corde, bah, c'est ce qu'on va faire, tu vas sauter la corde. Alors, on raccourcit un tout petit peu, on raccourcit un tout petit peu, enfin, pas trop non plus. Voilà. Vous tombez normalement les gars. Alors, juste avant de le faire, sachez quand même c'est que le record, c'est 32. Non, je ne répéterai pas ce qu'il vient de dire. En tout cas, les gars, ce qu'on va faire, tu préfères quel côté? Tu préfères quel côté? Non, mais ça, c'est de la triche. Hein. Quel côté tu préfères? Peu importe. Bah, reste comme t'es, alors. Hein. Attention, messieurs, je compte jusqu'à 3. À 3, vous faites tourner la corde. 1, 2, doucement. Hein, et 3, faites tourner. Et il va sauter. Non mais quand... Bah, hey, Fred, percute aussi un peu, toi. T'es technicien aussi, toi. Je sens que le spectacle va durer 4 heures, monsieur. Là, on se marre bien, hein. Change de côté, vas-y. Ok, ok. Ah, c'est comme quand on fait dodo, on change de côté, toi. Alors, attention. 1, 2, 3, on fait tourner. 2, 3. 5 et demi, hein. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. C'est pas mal. C'est pas trop mal. En tout cas, maintenant, on sait que la corde est bien solide, hein, parce qu'il a marché dessus en plus.
Vous pouvez lâcher, messieurs. Ensuite, accessoire indispensable pour attacher sa femme. Vous connaissez. Vous connaissez les menottes, messieurs-là. Les menottes, effectivement. Alors, c'est pas le guignol, j'ai pas les clés, t'en ferme pas. Juste vérifier. On vérifie juste pour voir si c'est bien. Ouais, mais c'est pas lui. Non, mais j'aime bien parce que ça, c'est un truc drôle qui fait ça. Quand tu auras un poignet, il n'y en pourra plus. Hein. C'est bon ? Solide ? Ok, nickel. On vérifie rapidement. Elle est fermée. Elle est fermée. Oui, mais si on fait ça, c'est comme pour. Ouais. Ça marche, hein ? Ok. Apparemment, ça marche. C'est bon ? Impeccable ! Eh ben, nickel. Donc ça, c'est pour les menottes. Pour aller ensuite avec les menottes, eh bien, on a besoin forcément, bah oui, des clés, je vous ai menti, on a des clés, mais évidemment, les clés des menottes. Et, à vous seul, monsieur. Je suis pas le seul à l'avoir entendu, visiblement. Mais c'est quand même. Les clés des menottes. Une clé par menotte. Ça part bien ici, hein. Je reviendrai. Et ici, un sifflet quand les enfants ne sont pas sales. On est d'accord. Et ces clés, je vais les confier à Fred. Fred, tu vas être le gardien des clés. Comme Passepartout, mais en plus grand. Viens, Fred. Au hasard, d'ailleurs, attention, je suis plaisanterie, mais Passepartout, t'es un ami. Hein. Hop, attention, voilà, parfait. Par contre, fais pas comme les gosses, siffle pas du coup de chambre. Hein. D'accord. Ok. Alors, ensuite, c'est là que vient le grand moment. Je vous demande, messieurs, pour tout le monde qui vient voir, de vous mettre ici, voilà, un petit peu sur le côté. Parfait. La même chose, voilà. Et là maintenant, il faut une volontaire, mesdames, pour vous attacher. Là, ici. Ouais, d'accord, c'est comme d'habitude. Bon, écoute, Kelly, tu vas devoir t'y coller, hein, comme d'hab. Tu vois, j'ai rarement de volontaire. Donc, l'idée, c'est d'attacher, en fait, votre femme, messieurs. Alors, si elle n'est pas trop fort, c'est quand même votre femme, à moins que... Ouais, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ensuite, vous prenez une grande corde. Vous alignez bien les deux bouts. On va debout, vraiment. Parfaitement égaux, voilà, comme ceci. Et là, je ne vous cache pas que c'est le moment que je préfère, c'est quand on lui passe la corde autour du cou. Attention ici. Voilà. Hop. On va serrer. Mais justement, on va tirer très fort. Non, non. Je plaisante. Allez, on va fermer ici. Hop, on va faire un tour, puis un second tour. Ensuite, attention, on va passer de l'autre côté, on va faire la même chose, on va faire un tour, elle va pas la rassurer, hein, c'est vrai, puis un second tour, non c'est parce qu'habituellement on a quand même quelqu'un du public, mais bon vous n'êtes pas levé, hein. Ensuite on va faire un nœud ici, au niveau du ventre, alors attention, tiens, est-ce que tu pourrais venir, tu mets ton doigt ici, c'est pour pas que ça glisse, vas-y, voilà. Je sais pas pourquoi vous riez, mais si vous riez, ça fait plaisir. Attention, ils sont contents, voilà. Tu peux lâcher ? Parfait. Allez, maintenant, on va se mettre ici. Fred ! Est-ce que tu peux mettre ton doigt ? C'est pourquoi que ça glisse, hein ? J'insiste quand même plus sur le fait qu'un doigt suffira, Fred. Hein. Ok. Allez, tu peux lâcher. Ok. Et là, il y en a qui est content. Ils disent, ça y est, on n'est que trois. Vous comprenez pourquoi, en fait, j'ai pas tout plus de la salle, hein. Voilà, ça descend de plus en plus bas. Lui, il est en instance de mariage. Et de divorce, d'ailleurs, hein. Et, c'est les deux en même temps pour lui. Vous rappelez votre prénom ? Ça n'a pas changé. Alors, Marc, il est pressé, lui, de mettre son doigt, hein. Il a marqué ? Il est pressé de mettre son doigt, lui, hein. Eh ben, un suffira, mais... Bon, il va mettre la main, lui, hein. C'est un cochon, madame, je vous assure. Elle est où, madame ? Elle est où ? Vous êtes là ? Allez là. Vous filmez ? Enfin voilà, comme ça, c'est une bonne preuve, ça, hein, pour votre avocat ? Ça va rester artisanal, là. Oh, et ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais, vous pouvez lâcher, cher monsieur. Parfait. Allez. Bon, les nœuds sont bien serrés. L'idée, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est qu'elle puisse se délivrer en un temps record. D'accord ? En quelques instants, en quelques petites secondes. Mais pour préserver le secret de l'illusion, on va devoir cacher par ce petit bout de tissu qui est là. Eh oui, on ne pourra pas tout savoir.
Et pendant ce temps-là, vous n'allez rien voir. Eh bien, sauf un, qui a de la chance. Ce soir, on va dire non, et en plus, c'est beau gosse, viens, mon garçon. Tu me rappelles ton prénom? Gabriel, t'inquiète pas, ça reviendra à la mode. Alors, Gabriel, tu vas te mettre à l'intérieur, voilà, comme ceci. C'est parfait. Et, alors, juste un petit détail quand même pour Gabriel. Le public est de l'autre côté. Et c'est par là. Et c'est par là, c'est par là. Et là, ce qu'on va faire, messieurs, très simple, Marc, vous allez tenir un petit bout de tissu qui se trouve là par terre. Pas demain, hein. Mais c'est comme tu veux, tu peux faire la droite ou la gauche. Attends, juste comme ça, ça suffira pour l'instant. Faut qu'on puisse te voir, il est tellement beau gosse. Frère, on va faire la même chose de ce côté. Et seulement mon signal, et bien après je vous dirai de lever, vous allez lever jusqu'en haut, d'accord? Attention. Salut, je vais disparaître. Ils ont fait une trappe sur la scène. Ok, d'accord. Ah, c'est toi qui l'as monté la scène, d'accord. Ok. En tout cas, attention. Messieurs, 1, 2, 3. On lève. Ah. C'est quand même agaçant quand même. Hein. C'est pas la bonne musique, ça fait trois fois que je lui dis, c'est mon nouveau technicien, c'est arrivé. Alors messieurs, on baisse. Et là, je suis sûr que tu vas te faire engueuler toi. Hein. Ah ben ça marche pour Gabriel. Hein. Il en profite et vas-y. Hein. Ça va Gabi? Tranquille pour lui. Hein. Coupe la musique, Rémi, s'il te plaît. Coupe la musique, parce que là, j'en peux plus. Quand il dit non, attends, mais tout de suite, tu fanfaronnes, tu me fais des infidélités derrière mon dos. Hein? Et devant combien de personnes? 300 moins 150 qui dorment. Non, je crois que vous êtes bien en forme. Hein. En tout cas, ce qu'on va faire, messieurs, Fred, on va reprendre ici le petit bout de tissu. Voilà. De l'autre côté, en fait, la même chose. Voilà. Et c'est seulement un moment signal, d'accord? Ok? Alors, attention. Fred, t'es en rouge, toi. Fred, t'es en rouge, qui parle pas toi, tu dis. Hein. C'est toujours au premier rang, de toute façon, qu'ils font les plus, les guignols, hein. Hey, c'est mon numéro à moi, s'il te plaît. Sinon tu viens, tu me fais une démonstration. Hein. Attention messieurs. 1, 2, 3, on lève. Et là ce qu'on va faire, il va pas nous la faire. Merci pour la musique. Il va pas nous la faire deux fois, tu passes la tête. Passe la tête. Voilà. Ça il est beau, hein. Ah il est pas mal, hein. Et là, attention mesdames et messieurs. Ah oui, s'il vous plaît, hein. Mesdames et messieurs. Voici pour vous, ici, à Vendin les Béthunes, le tour de magie le plus rapide du monde. Attention, on baisse complètement, messieurs. Et là, Gabriel, je crois que tu as perdu quelque chose. Mais quoi? Ah, t'as perdu ta veste. Baisse ta musique. Merci. T'as perdu ta veste, Gabriel. En fait, elle t'a plutôt que même piqué ta veste. Alors, sachez, mesdames et messieurs, c'est que je ne sais pas comment elle fait ce numéro. Mais toujours est-il que sa veste, ils sont pas complices, attention, hein, je vous assure, est bien enfilée ici avec deux tours, de chaque côté, de chaque bras, deux tours. La veste est bien enfilée ici, il y a toujours les doubles nœuds, et dernier petit nœud d'ici. Elle est balèze, hein. Ouais. Et toujours avec les menottes, messieurs-dames. Les menottes. Eh oui. Et les messieurs, là-bas, il fait... Calmez-vous, monsieur. Là, je peux te dire une chose, Gabriel. C'est que t'as de la chance parce que ce numéro marche une fois sur deux. Non, je t'assure. Non, si, c'est vrai. Parce que une fois, et un jour, c'est la veste, le lendemain, c'est le pantalon. Pour le coup, t'as du bol, hein. Ça me dérange pas, Kenny. En tout cas, ce qu'on va faire, on va détacher les nœuds. Vas-y, je te laisse faire. Après celui qui l'a mis. Bah forcément, celui-là, il est bien serré. Allez, enlève les nœuds, s'il te plaît. Allez, donc, hein. Ah, ça va être chaud ce soir, hein. Elle est où la future madame? Allez, là-bas. Pour lui faire du chantage. Alors, par contre, juste pour votre info, messieurs, j'ai les mêmes menottes en rose avant, à la fin du spectacle. Il y a là des nœuds, tiens. Ouais. Ça va mon frère?
Tiens, Fred, mets-toi de l'autre côté, on va faire chacun un bras. Parce que je vois que c'est pas rapide, Fred. Hein. Allez, il y a un tour. Et deux tours. Hop là. Voilà. On a cassé pas en deux, j'en ai encore besoin. Très bien, il y a encore un autre ici au niveau du cou. Ah bah. Eh, s'il te plaît. Je vais récupérer sa veste. Est-ce que vous auriez une paire de ciseaux? Voilà, parfait. Et maintenant, on peut récupérer ma veste, monsieur Gabriel. Ah oui, j'ai oublié les menottes. Impossible avec les menottes. Dans ces cas-là, une seule solution, messieurs-dames. Passe-partout, les clés. Et passe-partout, c'est frais. Eh, t'as oublié le... Eh ben oui, non, mais attends. Si tu le fais pas, c'est moins drôle. Hein. Ça va aller? Tu fais quoi comme boulot? Non mais dans votre gigi, l'autre il va me dire je suis gendarme. Presque, policier. D'accord, ok. Service informatique. Ah bah reste à l'informatique, hein. Là parce qu'on est... Enfin pour moi, hein, perso, hein. Pas sur la route. Les mecs des PV, ils sont pas gentils, tu vois. Tu vois, reste à l'informatique, hein. Je lui dis, il y a deux clés... Ça marche, tu trouves pas le trou, garçon? Est-ce que tu veux que je t'aide? Tu veux que je le fasse? C'est les dés qui sont flippés? Alors, ici, il faut bien la mettre dans le trou, frère. Et normalement... Enfin, c'est normalement. Ah, voilà, ok. Et maintenant, on peut récupérer la veste de Gabriel, évidemment. On peut les applaudir tous les trois, même tous les quatre. Ben, dis donc... Ah, merci, hein. Merci Gabriel, ta participation. Merci. Oui, fais gaffe les poches. Merci beaucoup Fred. Et continue à manger comme ça, c'est très bien. Applaudissements pour ces messieurs, s'il vous plaît. Ah, alors.